Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour des essayages, mais cette fois je vous montre des maillots. Alors les maillots, c'est la période où toutes les femmes commencent à en chercher parce que là il commence à faire bon, l'été approche à grands pas, les restrictions sont moins strictes, donc on pourrait aller sur la plage ou bronzer en extérieur. Et du coup les femmes commencent à chercher un petit peu partout des maillots sympas, jeunes, colorés et pas trop chers. Personnellement, là où j'ai toujours acheté mes maillots, c'est plutôt sur des sites comme Asos où j'ai des bikinis, des une pièce, des tankinis, et sur le site aussi Torrid qui est américain, mais du coup quand on achète là-bas il y a beaucoup de frais de douane. Mais voilà, et cette fois j'ai voulu tester Shein. Alors vous savez, mais je vous le rappelle, Shein, moi j'achète surtout là-bas et je suis surtout satisfaite pour tout ce qui est objets, décoration, articles de rangement, cuisine, etc. Pour les vêtements, je suis beaucoup plus mitigée, notamment à cause de la qualité que je trouve pas toujours très bonne, mais il y a des trucs qui sont quand même hyper bien et qui résistent vraiment bien. Néanmoins, quand je commande là-bas, il y a quand même toujours au moins un ou deux vêtements que je dois renvoyer. Du coup, j'avais pas encore testé les maillots et je me suis dit que c'était le bon moment de tester ça et de vous montrer ce que ça donne. Alors, comme à chaque fois, je vais vous montrer et vous parler du maillot en détail. Vous verrez aussi sur le côté de la vidéo portée de moi en maillot. Et je mettrai aussi en fin, pour chaque maillot, une petite note. Alors, ce sont 8 maillots de chez Shein que j'ai acheté pour cette session d'essayage. Il y avait certains qui me plaisaient beaucoup et dont j'étais pas sûre de la taille, mais qui correspondaient quand même à mes mesures, donc j'ai quand même testé. Ce qui veut dire que j'ai, je pense, 2 maillots en 2XL et tout le reste est en 3XL. Ma taille habituelle c'est du 3XL. Je ne vais pas vous spoiler, mais majoritairement je dirais que c'est comme les vêtements, je suis assez mitigée et il y en a même un qui est horrible. Trêve de blabla, je vous montre tout ça maintenant. On commence avec un bikini tropical dont vous voyez la photo mannequin juste ici. Ce maillot je l'ai pris en 2XL. La seule mesure pour laquelle j'étais pas complètement raccord, c'était le tour de poitrine, sachant que le 2XL il me semble que c'est 118 et que je fais 123. Donc il y avait pas énormément de différence, pour le reste j'étais large. Mais du coup, effectivement on pouvait s'attendre à ce qu'il soit un petit peu trop étroit au niveau de la poitrine. Mais c'est plus que ça, c'est qu'il est vraiment très étroit. Franchement, il est beaucoup trop petit pour mon bonnet. Quand je l'ai testé, ça m'a beaucoup étonnée vu que les mesures convenaient. Du coup j'ai même repris mes mesures pour être sûre que je m'étais pas plantée, trop plantée du coup. Et non, je peux dire carrément qu'il taille petit. Alors c'est super dommage parce qu'il est vraiment super beau, je vous le montre rapidement ici, le voilà, vous le voyez aussi sur la vidéo portée. C'est un maillot avec le haut qui est en style brassière, donc il s'attache, il n'y a pas de crochet à l'arrière, les bretelles ne sont pas ajustables, c'est vraiment une brassière. Il est classique, hein. De toute façon vous allez voir aussi la vidéo avec le tissu de près juste après. Et alors pour celui-ci en tout cas, je remarque pas de gros défauts de fil, etc. Qui dépassent. Mais par contre, et ça c'est récurrent à tous les maillots que j'ai achetés, quasi tous, parce qu'il y en a deux je pense qui s'en tirent bien, le truc hyper chiant sur donc les 6 maillots sur 8 que j'ai acheté chez Shein dans cette commande, c'est que les foutues coques à l'intérieur ici, donc ce sont des coques souples, elles sont vachement petites et du coup ça se met super mal et c'est compliqué de bien les remettre en fait. Alors je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, mais donc ça c'est la largeur de la coque. Moi j'ai une petite main, je vous rappelle que je fais 1m50, donc j'ai vraiment une petite main et regardez, ma main rentre à peine quoi. Elle dépasse du bout des doigts alors que je touche vraiment, je suis vraiment synchro sur la coque quoi. C'est un truc de fou, donc c'est vraiment des petites coques. Je pense clairement que les maillots Shein de manière générale sont plutôt faits pour les petites poitrines. Moi j'ai un bonnet E et là clairement je me sens pas bien du tout dedans. Faut savoir aussi que les maillots Shein ont, ceux avec des coques souples, ont un petit trou ici qui permet d'aller chipoter à l'intérieur et de bien réajuster la coque, sauf que quand tu portes le maillot, si tu dois commencer à réajuster ta coque en dessous, mais c'est vraiment super chiant et c'est pas facile parce que ben, ça sert un maillot quoi. Donc c'est vraiment pas facile et je trouve du coup que c'est mal conçu. Par contre, justement grâce à ce petit trou qui permet de chipoter à la coque, on pourrait se dire
je retire cette coque et je mets une coque un peu plus grande. Mais bon, c'est du chipotage, pour juste du confort. Je sais pas si ça vaut le coup. Et je vous le dis déjà, c'est vraiment un problème récurrent sur tous les maillots que j'ai achetés, quasi tous. Autre truc qui m'a pas plu, c'est que clairement, ce maillot brassière ne soutient rien. L'élastique en dessous de la poitrine est pas élastique en fait. Il est pas très très élastique. Regardez, hop, je tire à max là. Du coup, en dessous, quand t'as une poitrine qui est lourde et qui est tombante, parce que moi j'ai des gros seins, mais ils sont quand même tombants, justement, c'est pas pratique et c'est moche. Regardez sur la vidéo portée, ça fait plouc. Et c'est super moche, je trouve. Donc je pense clairement que, en dehors du fait qu'il soit un petit peu trop petit, mais de quasi rien, je vous assure, ce maillot n'est clairement pas fait pour les grosses poitrines. Autre maillot et autre bikini, j'ai pris un bikini floral avec des feuilles de palmier. Vous voyez la photo du mannequin juste ici. De nouveau, c'est un maillot que j'ai pris en 2XL parce que quand j'ai commandé, il n'existait pas de 3XL, mais je viens de voir qu'ils viennent d'en remettre un. De nouveau, c'était les mêmes mesures que le maillot précédent, le tropical. Ça veut dire qu'il y avait genre 5 cm de différence au niveau du tour de poitrine et le reste, je suis large, mais vraiment large au niveau des mesures. Je correspondais quasi. Et de nouveau, pour moi, il est trop petit à la poitrine, mais cette fois, je sens vraiment que c'est la coupe qui est trop petite et pas adaptée à un gros bonnet. J'estime qu'un E est quand même un bonnet conséquent, et effectivement c'est pas du GH, mais c'est quand même un bon bonnet. Celui-ci, ce qu'il a de différent, c'est que c'est un bikini assez classique, donc on part vraiment sur deux grosses coques, cette fois qui sont plus dures, plus rigides, donc comme ça, et du coup ça soutient bien. Le seul truc, c'est que ça se met derrière le cou, donc moi personnellement, mais j'avais pas fait attention plus que ça, mais parce que je voulais le tester, je le trouvais joli, mais moi les trucs derrière le cou, je sais pas vous, mais moi ça me fait mal au cou, carrément. Et je pense que c'est bêtement parce que mes seins sont trop lourds. Et donc voilà, donc c'est pas le genre de truc que je prendrais d'habitude. Mais c'est quand même joli, je le trouve vraiment beau. Donc il se noue avec un petit nœud là, c'est le détail qui est sympa. Le petit nœud qui est ici, et la culotte est vraiment sympa aussi. Je le mets comme ça. Donc c'est une culotte comme ça. Attendez, je la mets à l'endroit. Donc elle est plissée sur les côtés. Et en fait, on peut évidemment ajuster ce plissage. Et je trouve que c'est super joli. En plus, elle monte assez haut. Franchement, elle est super sympa. Mais de nouveau, clairement, c'est au niveau de la poitrine. Je suis désolée, mais moi, mon bonnet, il rentre pas là-dedans, quoi. Et vous pouvez le voir sur la vidéo portée. Je veux dire, vous savez, c'est comme quand on essaye un soutien-gorge et que vous voyez que ça dépasse de tous les côtés. Ça dépasse un tout petit peu en dessous quand on lève les bras. Et ça dépasse vraiment sur les côtés. On sent que ça fait deux bosses, là. Eh ben, c'est exactement pareil. Alors, ça m'étonne grave parce que je vous dis, je suis quasi dans les mesures. Mais c'est vrai qu'il y a 5 cm de différence par rapport à mes mesures à moi. C'est un 2XL, en tout cas ça m'a pas spécialement donné envie d'acheter un 3XL, donc évidemment je vais le renvoyer. Sinon il est assez correct, je vous montrerai de toute façon le tissu de près, mais voilà, il est assez correct. Et à l'arrière, je vous ai pas montré, mais c'est un crochet comme ça en fait, qui se croise en fait. Ma foi, pour le prix il est sympa, faites juste attention s'il vous intéresse de pas avoir vraiment trop de poitrine. On continue cette fois avec un maillot une pièce qui est celui-ci, d'un joli vert. Évidemment en dessous, donc ça court, c'est la partie qui couvre la poitrine, et en dessous vous avez évidemment le reste du maillot. Il y a plusieurs petits trucs à vous dire sur ce maillot. Déjà, et j'ai envie de dire comme d'habitude, il y a un défaut sur ce maillot. Vous allez mieux le voir évidemment sur la vidéo quand je vais filmer la matière de le tissu de près. Mais là, ça se voit mort en plus. Il y a un petit fil qui dépasse ici, qui sort de la couture par en dessous. C'est un défaut de couture de nouveau, je comprends pas. C'est récurrent chez Shein et ça fait bien chier. Autre petite chose, de nouveau ce maillot ne soutient que dalle. De nouveau ce maillot a des coques souples qui sont ici, qui sont de la même circonférence, on va dire. Circonférence que l'autre, qui ont aussi ce petit trou pour bien les remettre en place à l'intérieur, mais qui c'est super chiant à faire. Et de nouveau, ça soutient rien pour deux raisons. Première raison, selon moi,
Ce sont des bretelles spaghetti et vous savez, c'est comme les soutifs, les bretelles trop fines ne soutiennent pas bien, voire quasi rien. Et celle-là, c'est encore pire parce que là, il y a vraiment... C'est vraiment comme si c'était un top en fait. Donc ça participe au mauvais soutien de la poitrine. Mais en plus, je vous le montre à l'intérieur. En fait, le maillot est vraiment une pièce, il n'y a pas d'élastique en dessous de la poitrine. Vous savez, sur beaucoup de maillots, effectivement, on a la partie haute, donc ce que je vais appeler la brassière, qui est soutenue par un gros élastique sous poitrine. Et donc ça qui fait le maintien, mais ici, il n'y a que dalle, il n'y a rien. Donc c'est juste, il y a une couture, il n'y a absolument pas d'élastique, c'est complètement lâche. Et du coup, c'est ça qui fait aussi que ça ne soutient pas du tout la poitrine. Alors le problème des coques, de nouveau, je vais dire qu'il pourrait se régler en effectivement, comme je vous disais juste avant, passer par le petit trou, retirer les coques. Mais par contre, le soutien, ben, à moins que vous rajoutiez un petit élastique, on ne saurait rien y faire. Donc de nouveau, je ne le recommande pas pour les grosses poitrines bien lourdes parce que ça ne va rien soutenir. On continue avec le une pièce, ce une pièce blanc et jaune qui est super sympa, mais qui de nouveau a les, plus ou moins les mêmes défauts que les autres. Et en plus, il a des défauts de fabrication. Alors vous allez mieux le voir quand vous allez voir la vidéo où je passe focus sur le tissu, mais il y a des fils qui dépassent de partout. Il y a des coutures qui me semblent pas finies, et ça sur tout le tour du maillot en fait. Donc franchement, je pense que c'est un défaut de fabrication. Et si ce maillot me plaisait vraiment, je pense que je pourrais le renvoyer et avoir, à mon avis, j'espère, un maillot qui n'a pas de défaut. Ceci dit, alors en dehors de ce problème de finition, il y a quelques petites remarques. Donc, au-dessus, évidemment, il y a toujours ces coques qui sont ici, mais celle-ci me semble un peu plus grande. Quand je mets ma main, clairement, ça monte un peu plus haut. Donc j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus larges. Néanmoins, on ne se sent pas super à l'aise dans celui-là parce que, vous voyez, la partie du haut, elle aplatit fort les seins et tu as l'impression que tout est plaqué en fait quand tu le portes. Et ça, c'est super chiant. C'est aussi dû à ces coques qui sont sûrement mal mises qu'on peut, comme je vous le dis à chaque fois, remettre grâce aux petits trous là et rechipoter, mais c'est super relou. Mais voilà, et je trouve que c'est pas hyper agréable. Donc je pense que l'idéal sur ce maillot, parce que sur celui-ci c'est faisable, au contraire de celui de l'avant qui ne maintenait rien, c'est de retirer les coques et d'avoir les boobs totalement libres du coup à l'intérieur. Parce que là, je vais vous le montrer ici, mais cette fois, au niveau du bustier, il y a, j'espère que vous allez bien le voir, il y a un double élastique en dessous, donc ça maintient vraiment la poitrine. Donc ça, c'est celui qui arrive sous poitrine. Et en dessous, il y en a encore un. Et là, c'est la démarcation, en fait, avec la partie jaune. Mais bon, c'est une grosse couture épaisse, un peu élastique, mais moins que la partie, je vais appeler ça la partie brassière. Mais il y a du soutien, il y a du maintien. Le maintien est pas extraordinaire, mais ça peut le faire. Je pense que clairement, par rapport à celui que je vous ai montré juste avant, une grosse poitrine pourrait s'y retrouver vous aimez vous sentir quand même un petit peu compressé. Donc vous voyez, quand je vous disais que ça aplatit en fait la poitrine, voilà, c'est ça. Après, ça me semble jouable, c'est un maillot que j'estimerais moyen, jouable, à voir, à tester quand on nage, voir si on est confort quand on nage aussi, ça c'est super important. Mais il est sympa, hormis ces petites défauts de finition du tissu, c'est pas mal. On attaque avec le quatrième maillot qui est pour moi le type de maillot que je préfère, c'est-à-dire le tankini. J'adore les tankinis. On est super à l'aise en tankini. Et en plus, quand on a du ventre, franchement, c'est la coupe qui convient le mieux quand t'as vraiment ce que je vais appeler une bouée de ventre, parce que ça cache et t'es à l'aise pour nager, on voit rien. Enfin, franchement, c'est... J'adore les tankinis perso, mais je préfère les tankinis avec les petits shorties. Alors qu'ici, c'est une culotte qui est somme toute assez classique, qui monte assez haut. Il n'y a rien de spécial à dire sur cette culotte, elle est vraiment basique de chez basique. Quant en haut, il est ici. Donc c'est une espèce de petite robe en fait, parce que sur moi qui fais 1m50, vous le voyez sur la vidéo portée, mais sur moi ça arrive vraiment comme une robe, donc ça arrive au-dessus du genou et ça arrive en dessous des fesses. Alors ce tankini, c'est un 3XL et on a de nouveau ce problème avec les petites coques souples, sachant que, surtout parce que je viens de tenir juste avant, il y a 2 minutes le maillot d'avant, la coque de ce tankini est minuscule, donc je vous montre cette coque. Et quand je mets ma main, regardez comme ça dépasse.
De nouveau, clairement c'est pas fait pour les petites, pour les grosses poitrines, c'est plutôt fait pour les petites poitrines. Par contre, il y a des avantages, c'est que au contraire du maillot vert que je vous ai montré, les bretelles sont un chouïa plus épaisses, plus résistantes franchement, et c'est désajustable. Donc là il y a une meilleure finition, un meilleur, ils ont mieux réfléchi à ce que ça soit un maillot plus adapté aux formes, aux courbes. Sauf du coup pour cette petite coque souple qui ne convient pas du tout, qui est super gênante. En dessous, c'est à tester, hein, je le ferai pas. Au niveau du haut du coup du maillot, on a de nouveau un élastique, mais il n'est pas aussi fort que le maillot jaune que je viens de vous montrer. Donc, niveau soutien, on est de nouveau pas hyper au top, mais ça pourrait quand même coller. Il faudrait tester de nouveau en retirant la petite coque et en voyant un petit peu comment les seins se tiennent à l'intérieur de cette partie haute. Mais à voir, il est quand même super sympa, il est un peu épais, mais ça c'est comme quasi tous les tankini en fait. De nouveau, à certains endroits, il y a des petits fils qui dépassent, ici il y en a un, etc. Ça va quoi, c'est pas la mort. J'irai de nouveau que ce maillot-ci est assez encourageant, si je puis dire. Ça va quoi, ça va, il y a pire. Ensuite on part sur un coup de cœur, il est vraiment super joli. Quand je l'ai vu sur le site de Shein, c'est le premier que j'ai voulu acheter. C'est de nouveau un bikini, donc un deux pièces avec le haut qui est une espèce de petite brassière à manches courte. Donc voilà comme ça. Avec un froncé à l'avant, donc un fil qu'on peut ajuster. Un motif petite fleur blanche. Et une culotte basique de nouveau, mais qui monte assez haut. Ce que j'aime bien dans les maillots donc, que j'ai pris en 2XL, 3XL, c'est que toutes les culottes montent assez haut. Et je trouve que c'est mieux pour quelqu'un qui a quand même du ventre comme moi. Donc je vous rappelle que mon ventre, il est plutôt en deux parties, une bosse. Puis ça c'est plus renfoncé au niveau du nombril, plus de nouveau une bosse. Mais du coup, les maillots, ils arrivent pour moi soit au nombril, soit au-dessus du nombril. À voir si ça tient quand je nage, je sais pas. Mais en tout cas... c'est plus couvrant, c'est plus adapté en tout cas à ma morphologie. Du coup, je vous montre ce petit maillot. Alors, son petit défaut, c'est que, et c'est un truc qui ne me plaît pas, mais c'est évidemment mes goûts, c'est que en fait, quand on le met, on voit quand même assez bien de blanc, donc l'intérieur du tissu, je trouve ça moche un petit peu sur le devant et tout ça. Je trouve pas que ça soit très joli. Au niveau des manches, enfin de la sortie des bras plutôt, c'est bien large. Moi j'ai des gros bras, hein, je vous montre, j'ai des gros bras et je passe sans souci. Par contre, et ça c'est super chiant, et je pense que c'est parce que c'est un maillot donc plus étroit, donc plus d'élastique, etc. C'est que au niveau des épaules, donc si je le mets comme ça, en fait ça tient pas bien en place. Vous le voyez de toute façon sur la vidéo portée, parce que ça se voit que je remets tout le temps mon truc en place. Mais du coup ça glisse, et je pense que quand on nage, ça doit être aussi hyper chiant. Évidemment ça va jamais tomber, c'est quand même une brassière, mais tout le temps remettre son truc, c'est aussi une histoire de confort. C'est un petit problème qui est assez récurrent dans d'autres vêtements que j'achète, par exemple ceux qui ont des cols carrés, etc. C'est les manches qui tiennent pas bien en place là où elles devraient être. Et j'ai ça avec ce petit maillot, il est somme toute assez cool. J'ai pas vraiment d'autres défauts à part cette tenue à relever, donc pour moi il est bien. Alors je vous ai gardé pour la fin le pire et le meilleur. On va commencer par le pire. Alors le pire, c'est vraiment le pire, je pense que c'est le plus horrible maillot que j'ai testé de toute ma vie, sincèrement, que je ne vous recommande absolument pas, qui est par contre super joli sur la photo du mannequin sur le site de Shein. Mais je me demande comment cette fille a fait pour l'enfiler, elle avait sûrement une habilleuse avec elle. Parce que ce maillot, c'est un enfer à mettre. Mais genre, je n'y suis jamais arrivée. Je pense que si on est deux, il y a peut-être moyen de m'ajuster. Mais dans tous les cas, quand tu marches, quand tu vas nager, ce truc ne tient pas. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Déjà, il faut trouver comment bien le mettre comme ça. Donc, c'est un maillot comme ça. Alors, n'ayez pas peur en le voyant comme ça. En fait, c'est parce que donc c'est une pièce et elle se croise comme ça. Sauf que vous imaginez bien deux longues lanières, on dit, je sais pas, deux longues manches à croiser soi-même sur le devant. Faut se tortiller pour bien les mettre. Et derrière, mais c'est comme les soutifs ou les brassières quand on a du mal à les enfiler. Vous voyez, ça roule.
Eh ben c'est exactement ça. Ça roule complètement à l'arrière et si t'as pas quelqu'un pour t'aider à le mettre, c'est impossible à mettre. Je vous dis, je n'y suis jamais arrivée, jamais. J'ai testé 3 fois de l'enfiler. La première fois que je l'ai enfilé, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même que j'arrive pas à le mettre, comment faut le mettre. Et je n'y suis jamais arrivée. Et alors, à un moment, il y a un moment où j'ai mieux su mettre à l'avant, mais jamais su mettre à l'arrière. Et j'ai tiré pour bien que ça fasse comme la fille sur le site de Chine, donc vraiment un truc comme ça. Eh ben, ça tient pas, ça finit par rouler, de toute façon, ça remonte. Ce maillot est super mal conçu. Je vous le dis, c'est le pire maillot que j'ai pu tester de toute ma vie. Et c'est trop con parce qu'il est joli sur la photo de Chine. En plus, j'en ai marre de vous le répéter, mais de nouveau, il y a cette histoire de coque souple qui est trop petite. Donc elle est là, cette coque. Là, elle est un peu plus grande que celle d'avant, il me semble. Voilà, je la mets bien. Bon, je dépasse quand même de ça, quoi. Qui est trop petite, qu'il faut bien remettre en place. Et en plus, vu que c'est un croisé, alors je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo portée, mais ça veut dire que la partie qui est ici de mes seins, donc vraiment l'avant de mes seins, en fait ça se voit sur le côté. Je sais pas si on le voit bien, je vais essayer de zoomer et pour vous montrer. Mais du coup ça fait moche, ça fait trop moche et ça soutient rien. T'as l'impression que tes seins sont tout plats comme ça. C'est méga moche et je pense de nouveau que ça convient pas à une grosse poitrine qui tombe. Clairement ce maillot c'est un 0 sur 10 pour moi et je vous le conseille absolument pas. Et pour finir, j'ai gardé le meilleur parce que oui, il y a au moins un maillot pour lequel je suis vraiment vraiment contente. C'est un maillot noir, il est un peu basique mais il y a quand même un petit détail ici au niveau de sous-poitrine. Il y a une bande en résine un petit peu, voilà. On voit un peu, c'est transparent, j'espère que vous voyez bien. Cette fois les coques sont complètement adaptées, c'est pas pareil que le petit bikini vert avec des feuilles que je vous ai montré. Les coques sont vraiment plus grandes, donc ça se voit par rapport à ma tête. Regardez la grosse coque, je sais même pas tout remplir avec ma main, regardez tout tenir avec ma main. Elles sont dures aussi, c'est des coques dures, donc vraiment dures. Du coup ça maintient bien, tu es à l'aise, tes seins sont à l'aise à l'intérieur, il n'y a aucun problème, t'as pas peur que ça bouge quand tu vas nager pour te retrouver un boobs qui sort ou un truc comme ça. Les bretelles sont bien ajustées, elles sont épaisses, regardez ça. Elles sont épaisses, donc elles sont bien ajustées. Le fait d'avoir un empiècement ici juste en dessous de la poitrine qui fait un petit croisé, qui est transparent, ça rend un petit peu, ça m'assied un petit peu. Bien sûr c'est du noir, mais je me demande s'il existe en plusieurs couleurs, je ne pense pas, mais il y a un croisé en dessous, ça aussi ça mincit la silhouette, il est vraiment super sympa. Pour moi c'est un des meilleurs maillots que j'ai eu jusqu'à maintenant, il est vraiment joli, évidemment je vais le garder, il est super beau et c'est ma grosse reco. Seul petit défaut, c'est que de nouveau il y a quelques petits fils qui dépassent. Mais bon, c'est pas grave, il est tellement bien et je suis tellement contente parmi 8 maillots d'en avoir trouvé un qui était quasi nickel, genre à 99,9%, que franchement je vais pas lui en vouloir d'avoir quelques fils qui dépassent. Attention cependant, je sais que ça dérange quelques femmes, c'est un maillot avec des baleines sous la poitrine. Mais du coup c'est ça qui fait qu'il maintient bien et qu'on est à l'aise dedans. En tout cas pour ma part, moi je me sens mieux dans ce genre de maillot. Voilà, vous avez vu toute ma commande de maillots, donc il y a 8 maillots, je vous mets toutes les références dans la description. J'en parlerai aussi sur le blog où je mettrai les références et les photos en plus. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi sur ces maillots, que ce soit sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, n'hésitez jamais à m'écrire. Je suis vraiment curieuse dans ce cas-ci de cette commande qui est plus que mitigée, de savoir ce que vous, quand vous achetez des maillots ou des vêtements chez Chine, vous pensez réellement. Parce que moi j'ai l'impression que je suis très regardante à la qualité, ça c'est vrai. Je ne nie absolument pas, moi j'aime bien quand un vêtement, il n'y a pas de petits fils qui dépassent, quand tout est correct. Et c'est ce que j'ai avec d'autres marques évidemment plus chères, mais pas très chères. Je parle par exemple du H&M, du ASOS, etc. où les finitions sont bonnes, il y a rarement des problèmes. Mais là avec Chine, c'est constamment des petits problèmes. Du coup je comprends pas trop le fait que plein de femmes, sans vous vexer, sont satisfaites en fait de cette qualité qui est pour moi, après je sais plus combien je suis, à combien de commandes, je suis à 12-13 commandes, qui n'est pas au rendez-vous en fait chez ce magasin majoritairement, mais pas pour tout non plus. Il y a des pièces qui sont vraiment très très bonnes,
Mais du coup, je suis assez étonnée de qu'on en parle pas plus. Après, c'est jamais des gros défauts, sauf peut-être sur le petit maillot, t'avais carrément le pull blanc qui dépassait du tissu vert. Ça passe quoi, si on n'est pas regardante, ça passe, mais moi je suis assez regardante de la qualité. Évidemment, je sais bien que si je paye un maillot 9 balles, il va pas être parfait, mais je m'attends quand même à ce que ça soit respectueux du client et du coup quand même avec des finitions qui me paraissent correctes, quoi, un minimum correct. Mais chez Shein, ça l'est rarement, ou alors parfois on tombe sur quelques articles qui sont le top du top. On dirait du luxe tellement que c'est la finition est bonne, mais majoritairement c'est pas ça. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis à chaque fois sur la marque, et en particulier sur les maillots et sur ce problème de coque trop petite qui fait bien chier. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je sais pas encore c'est laquelle qui va arriver, soit ce sera le live mode grande taille qu'on avait fait l'année passée, soit ça sera ma commande snack tight. Mais en tout cas, il y en a un des deux qui arrive la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Salut!